Jennifer Lore est bien connue pour son rôle dans Julie Lescaut, mais aussi pour celui d'Ariane Leroy dans Camping Paradis. De 2006 à 2012, elle campera aux côtés de Laurent Ournac et se fera apprécier des téléspectateurs. Dans une interview accordée à Télévision Grande Chaîne, l'actrice est revenue sur les conditions de tournage particulièrement difficiles de la série. « C'était un tournage difficile », se souvient l'actrice, « nous tournions hors saison, comme si c'était l'été ». Si est-il envers du décor, il faisait 4 degrés, mais on devait prétendre qu'il en faisait 30. Nous avions tout le temps froid, ça m'a marqué et, depuis, je suis très frileuse, a-t-elle confié. Mais Jennifer Lore a tout de suite été séduite par le scénario, notamment en raison du couple qu'elle formait avec Laurent Ournac. Je trouvais l'histoire d'amour entre un homme corpulent et une fille mince intéressante. J'aimais cette idée que tout soit possible en amour, au-delà des apparences. C'était novateur pour l'époque. Mais après 6 ans, la comédienne souhaite passer à autre chose et prend la décision de quitter Camping Paradis, pour le plus grand malheur de ses fans, « J'ai arrêté Camping sans regret ». En effet, l'actrice fera passer en priorité sa famille et ses autres projets professionnels. « Je venais d'accoucher de Nell et je tournais en parallèle dans Julie Lescaut et une famille formidable. » Mon départ de la série s'est fait rapidement. Nous n'avons pas eu le temps d'écrire une sortie. Et si certains téléspectateurs attendent un retour de la comédienne, ils vont devoir être patients. La production m'a rappelé plusieurs fois, mais je n'avais plus l'envie, j'avais fait le tour de mon personnage. J'ai tourné un épisode crossover entre Camping Paradis et Joséphine, Ange Gardien, qu'il m'a permis de clore ce chapitre sur une belle fin, avec un côté magique. Une belle façon de fermer un chapitre de sa carrière. Lodi Bidget.